Bonjour à tous. Donc deuxième vidéo de la journée. Donc j'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Donc en fait c'est deux fois j'ai fait deux achats différents pas le même jour. Donc là nous sommes toujours le mardi 25 janvier et j'y suis allée aujourd'hui et une autre fois mais j'avais pas filmé parce que j'avais trois conneries donc. Et cette fois-ci, j'y suis surtout allée pour ceci. Donc, pour l'instant, c'est pas du scrap. Donc, il y a aussi du scrap. Mais là, pour aujourd'hui, j'y suis allée surtout pour ça. Parce qu'ils étaient à 9,95 ouais, 9,95 € au lieu de. Combien ils... Au lieu, je crois que c'est presque 12 euros ou 11 euros et quelques. Donc, bah. Ouais, 12 euros et quelques. Donc. Ça valait le coup. Donc c'est un combo. Vous avez le balai, Swiffer, et vous avez... comment ça s'appelle ça? J'ai un trou. J'ai un trou. Le plumeau. Donc voilà. Donc moi j'ai surtout pris pour le balai, parce que chez moi il y a un sol... comment ça s'appelle? En sorte de plastique ou je sais pas quoi, là, de vinyle ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait le balai, c'est tous les jours, toutes les 5 minutes, il faut balayer. Et ça me saoule parce que c'est toujours sale, même avec l'aspirateur et tout. Donc là, je vais mettre pas les lingettes sèches, mais les lingettes humides. Donc c'est pas très écologique, mais ça me permettra de nettoyer le sol en même temps. De temps en temps, quand on fait une petite tâche ou quoi, ou pour ramasser le maximum de poussière ou les poils du chat. Donc, je me suis pris ça. Bon, j'en ai un normalement chez ma mère. Si elle passe par là, elle va dire, mais il y en a un à la maison. Mais celui-là de chez ma mère, je veux le garder pour ma chambre. Parce que quand j'y vais, c'est plus pratique. Donc, je m'en suis acheté un. Et à 9 euros et quelques le combo, ça allait. C'était pas mal. Ensuite, je suis allée aussi. En fait, après, entre-temps, j'ai pris quand même mon papier toilette et deux bricoles pour mon compagnon. Ce qu'il a l'habitude. De gourmandise parce qu'il en a encore plein. Alors ensuite j'ai pris aussi en scrap ce petit tampon, donc le koala je crois que c'est, ou le pari, non ça c'est le paresseux, pardon, trompé. Donc le paresseux parce que je le trouvais trop mignon, donc je me suis pris celui-là. Bon après il y en a plein d'autres de tampons bon, mais ça c'est pas cette fois-ci, c'est la dernière fois que j'y suis allée, je sais plus si c'était je crois le vendredi dernier que j'y suis allée. Ensuite, j'ai trouvé aussi des. Ceci, donc les faux cuirs en rose. Donc, je m'en suis pris un paquet de rose. Donc, là, les paillettes sont très épaisses. C'est dommage parce que moi, j'aurais préféré les paillettes fines. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, avec les paillettes épaisses. Après, on a le rose comme ceci. Donc. L'effet cuir. Donc celui-là j'aime beaucoup. Et le rose un peu. Alors celui-là il est fin. Et ceux-là ils sont un peu plus épais. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc un rose un peu. Ah ben tiens, il y a des cheveux à moi. Et l'effet crocro, j'aime bien. Donc c'est du faux cuir. Donc en rose. Ça pour faire un petit album. Ou quoi, je vais voir. Après, il n'y avait pas toutes les couleurs. Il n'y avait toujours que rose et bleu. Donc là, il y avait un rose. Et là, j'ai trouvé aujourd'hui un blanc. Il n'y avait pas les autres couleurs. Donc, j'ai pris dans les fonds de bleu. Alors là, j'ai trouvé... Donc, ce n'est pas les mêmes. Celui-là, dans les effets fins, il n'y en avait qu'un. Moi, j'aurais préféré le même que celui-là. Parce que là, c'est... Celui-là, ça avait les grosses paillettes, le dessin. Et ceux-là, là, c'est les paillettes, elles sont fines. Moi, j'aurais préféré celles avec les paillettes fines, mais il n'y en avait qu'un. Donc, dans les tons de bleu, comme ceci. Oh, celui-là, j'adore le bleu, il est trop beau. Donc, après, blanc, comme ça. Ça, c'est dommage qu'ils ne font pas dans le blanc comme là, là. Je sais pas s'il y en a un autre. Et un bleu comme ça. Donc, ça, pour les albums thème hiver. Ça sera parfait.
Donc je vais pas les remettre dans la boîte. Je vais mettre dans un classeur. En attendant dans une pochette. Et là, j'ai pris dans les tons de blanc. Donc là, c'est ouais, les paillettes épaisses aussi. Donc là, c'est paillettes blanches. Et après, c'est argenté. Donc ça aussi, c'est pour le thème hiver. Donc comme ceci. C'est le crocro. Et dans le gris argenté, comme ça. Bon, moi, c'était surtout pour le premier que je voulais. Parce que le gris, je suis pas trop fan. Je vais pas y arriver. Ah oui, c'est collé, c'est la meilleure. Il est où le thème paillette? Ah bah. Alors celui-là, il est épais. Et celui-là, il est extra fin. J'ai pas tout compris. J'ai cru que... Ah bah non, les paillettes, elles sont là. Je suis fatiguée. Et ceux-là, ils sont épais à part aux autres. Ceux-là, ils sont très fins. Vous en avez deux épais et... Le dernier, là, il est extra fin. Donc celui-là, pour faire des découpes, je vais tenter faire des flocons de neige là-dedans. Je suis pas sûre que ça marche, mais bon. Et là, l'effet crocro. Donc après, ensuite, j'ai trouvé les encres qui me manquaient, sauf un, donc de la dernière collection. Donc de la dernière collection, là, j'ai trouvé la 1, donc dans les tons de vert. Donc du numéro 49 au numéro 52. Donc vous avez toujours une métallique. Donc dans les tons vert bleu. Non, vert. Granite green. Donc dans les tons de vert. Après, dans les tons de bleu. Saphir. J'adore. Bleu violet un peu. Comme ceci. Donc dans les tons de bleu. Donc le numéro lot 2. En fait, il me manque le lot 6. Dans les lots 3, c'est dans les un peu rose, teinte de rose. Donc comme ceci, donc du numéro 61, 62, 63, 64. Celui-là d'avant, c'était 53, 54, 55, 56. Ah, attendez, là il y a un problème. Non, là, je me suis trompée. Bah. Non, non, non. Ah oui, non. Si, ceux-là, je les ai aussi. Le 57, 58, 59, 60, je les ai. Je les avais déjà trouvés la dernière fois. Ils sont quelque part... Ah ben oui, ils sont rangés dans mon... Dans mon bac à encre. Donc là, après, j'ai les... Donc le 3, je l'ai. Le 4, c'est celui-là plutôt. Ça, c'est le lot 4. 61, désolé, je suis partie en live. Et ensuite, dans les 65, 66, 67 et 68. Donc lot 5. Le seul qui me manque, c'est le lot 6. Et aujourd'hui non plus, il n'y avait pas. Il restait que le lot 4. Il y avait beaucoup aussi de lot 3. Tous les autres, il n'y avait pas. Mais alors, entre le lot 3 et il restait, je crois, un lot 4, il n'y avait plus que ça dans le rayon. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Et là, vu moi, j'y retournerai. Après, j'ai regardé les dies, mais j'avais pas envie de chercher parce qu'il y avait 3 tonnes de dies. Si vous voulez des dies, allez-y. Il y en a. Après, je sais pas lesquels c'est de modèles. Il y a un peu des anciens, des nouveaux. Je crois qu'il y a des nouveaux, je suis pas sûre. Mais... J'avais pas envie de chercher pendant une heure, donc je suis allée prendre ce que j'avais besoin. J'ai juste regardé les encres pour voir s'il me restait le dernier lot. Il n'y avait pas. Après, il y avait des blocs 30-30 aussi, mais ils ne me plaisent pas, donc je ne suis pas allée voir. Je n'ai même pas regardé parce qu'en fait, j'ai oublié qu'il y avait les dernières sorties que j'ai vues dans des halls, mais je n'ai pas regardé. Je voulais acheter un bloc petit pour le lot de un de mes concours. De mon concours, pardon, pour un des lots de mon concours, mais j'ai pas trouvé. Donc, dans les deux cas, il faudra que j'y retourne.
pour finaliser mes lots. Donc voilà. Donc j'espère que mon petit haul vous aura plu. Moi, en attendant, ben, je vais ranger la panique. Parce qu'en plus, il y a de la panique aussi là que j'ai toujours pas rangée. Puisque là, je suis en mode tamponnage. Donc je fais plein de tamponnage comme ça. J'en ai plein. Au moins. Ouais, je m'installe le soir là, tranquille. Parce que des fois, il n'y a rien à la télé. Ça me saoule. Donc je m'amuse et je fais des tamponnages. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao, ciao!